aujourd'hui, bah, c'est le jour J pour Barbara. On est super contents. Nos petites péripéties à Las Vegas. Maintenant, le grand jour, le jour J. Pour ça aussi, aujourd'hui, cette aventure incroyable. Oui, vas-y, continue. On peut la remercier, elle fait son job correctement. Merci Jessica. Je dois être rouge comme une pivoine. On se fait plein de bisous, Barbara. Gros bisous. Sorry, I'd got me, story, I'd. Par où commencer? Par le commencement sans doute. Toi, un verre, une soirée, encore une. Il aura suffi d'un regard, d'un sourire pour que je comprenne que ma vie venait de changer pour toujours. Je ne savais juste pas encore comment.
joie pour chacun d'entre nous d'être ici, témoin de cet amour qui a grandi et évolué au fil du temps, c'est-à-dire depuis 11h45 ce matin. Barbara, Thibault, aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre de votre histoire. Une page que vous écrirez ensemble avec amour, compréhension et respect. C'est le commencement d'une aventure extraordinaire. Et nous sommes enchantés d'être présents pour la partager avec vous. L'amour est une force qui transcende les épreuves, une lumière qui guide nos cœurs, même dans les moments les plus sombres. Aujourd'hui, célébrons les étoiles qui brillent si intensément dans vos regards. Afin de visualiser au mieux votre union, je vais vous inviter, Barbara et Thibault, à allumer cette bougie à l'aide de votre bougie. En tant que frère et témoin du marié, je tiens à partager quelques mots chaleureux en cette journée si spéciale. Depuis l'enfance, il a été mon complice, mon partenaire dans le crime, mon confident, mon âme frère. Je l'ai vu grandir et évoluer, ce n'était pas une mince affaire. Et il est fait désormais partie des personnes dont je suis le plus fier. En parlant de fierté, Tib, je t'adresse ces quelques mots. Savoure-les. Je suis fier de toi, fier de la personne que tu deviens, fier de ton parcours et fier de chaque combat que tu arrives à mener. Fier d'être ton frère, avec le temps tu es devenu mon modèle d'homme, à qui je veux ressembler, de près comme de loin. Le temps il file à une vitesse si folle. Hier encore tu jouais avec moi à la console, ah quoique, non c'est vrai. C'est vraiment hier, ouf. Blague à part, je vous souhaite le meilleur. Que votre vie à deux soit une aventure remplie d'amour et de projets. Je vous aime. En la voyant aux côtés de Thibault, je suis convaincue que cette union est le début d'une histoire d'amour aussi émouvante que celle de Roméo et Juliette, que Jack et Rose dans Titanic, que Bridget et Mark Darcy, ou même encore Meredith Grey et Derek Shepherd. Barbara, tu es une personne rayonnante. De ton sourire dégage une force incroyable. Tu es une femme formidable, d'une douceur incommensurable. Que votre vie à deux soit remplie de moments précieux et de complicité. Bisous. Pour qu'un mariage fonctionne, il faut bien des choses. Amour, sincérité, fidélité, projet. Un tas d'ingrédients qui feraient presque penser à une potion magique. D'ailleurs, Barbara, Thibault vont réaliser la recette de leur amour. La base de cette potion est un soupçon de vodka blanche, représentant la transparence et l'humilité que vous aurez l'un envers l'autre. Aussi forte que vos caractères, ainsi que votre amour. À cela, vous allez ajouter une lichette de Cointreau. Cet alcool à base d'essence d'orange douce et amère représente donc les bons moments comme les mauvais. L'un n'allant pas sans l'autre, votre amour vous aidera à rester soudés malgré tout. Continuons avec quelques centilitres de jus de cranberry. Par son parfum fruité et ses notes sucrées, il représente à la fois votre douceur et votre passion. Et finissons par le champagne, les bulles représentant celle dans laquelle vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Il représente tous les instants précieux que vous avez vécus et que vous vivrez encore, ces moments privilégiés qu'il faut savourer chaque jour. Passons maintenant au moment où l'émotion sera sans doute à son comble, l'échange des vœux. Pour les plus sensibles, nous avons des mouchoirs à disposition. Il aura suffi d'un regard, d'un sourire pour que je comprenne que ma vie venait de changer pour toujours. Je ne savais juste pas encore comment. Ça n'avait pas été facile de lever toutes les barrières qui m'entouraient, mais tu as su trouver les mots, tu as su me montrer que l'amour vrai existait encore. Et pour tout ça, je te remercie. Merci aussi pour ces moments remplis d'amour, mais aussi merci d'être là dans les moments les plus durs. Merci d'avoir ton seul caractère, car sans ça, ce serait pas toi. Je pourrais passer des heures à lister chaque chose que j'apprécie chez toi, mais l'éternité n'est pas assez. Je résumerai ça en quelques mots. Je t'aime. Quand Barbara et moi nous sommes rencontrés, je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je me tiendrais ici pour faire un discours d'amour.
Je pensais être plus genre à envoyer un SMS maladroit, mais apparemment, j'ai élevé mes compétences. Mon cœur, on y est enfin. Je ne peux pas y croire que ma vie soit devenue une comédie romantique un peu folle. Depuis que tu en fais partie, tu es la personne qui arrive à me faire rire, même quand je ne le veux pas. Ton rire est devenu mon moment préféré. Je me sens chanceux de t'avoir auprès de moi. Promettons-nous de rire autant que possible. Ne jamais prendre la vie trop au sérieux, de se soutenir même quand nos blagues ne sont pas drôles. Ça va aller, ouais, ça parle. Promettons-nous de déplacer notre amour avant tout. Merci pour chacun des mots que tu as prononcés. Et moi aussi, je t'aime. L'échange des alliances symbolise l'union entre Barbara et Thibaut. Ces anneaux sont symboles d'amour et d'engagement. Ils marquent le début d'une vie partagée. Thibaut, es-tu prêt à sceller ta vie à la sienne par cette alliance ? Oui, je le veux. Barbara, confirmes-tu cet amour en plaçant cette alliance au doigt de Thibaut ? Je me suis plantée, mais dis oui. Oui, je le veux. Que ces anneaux soient le témoignage permanent de votre union. Je vous laisse vous embrasser. Afin de sceller et marquer les mémoires de cet instant, vos proches vont nouer quelques rubans autour de vos mains afin de symboliser tous les liens que vous avez tissés et que vous tisserez encore dans les années à venir. Ruban beige pour la neutralité, le confort et l'apaisement. Le ruban bleu représente le calme, la sérénité, la loyauté et la confiance. On terminera par le ruban rose pour l'amour et la gratitude. Now I'm dancing around my living room. I get drunk on the thought of you and I. When you were mine. See your eyes in every stranger.